Bonjour c'est les brigades, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 29 janvier 2019 et on va faire le point sur l'actualité qui concernera principalement la version japonaise. Je ferai séparément une vidéo concernant la version globale parce que la vidéo du jour risque d'être un petit peu longue et vous n'êtes pas très fan des vidéos un peu trop longues, donc ça je l'ai remarqué. Donc on va essayer de commencer à séparer les vidéos news. Donc voilà, avant de commencer la vidéo comme d'habitude je tiens à remercier toutes les personnes qui feront le petit geste, le petit pouce bleu de soutien, et puis si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, nous avons dépassé les 194 000 abonnés, ça fait plaisir, on s'approche progressivement des 200 000, je compte sur vous. Et puis activez les notifications, ce soir on sera en live pour débrief tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Si vous avez des questions, venez, profitez-en, tous les soirs c'est Bistro Dokkan, on est là avec notre petite bière à l'eau, hein, parce qu'on ne boit pas d'alcool. Enfin, une fois dans l'année, voilà, ça mange pas de pain. Enfin bref, place à la vidéo. Alors, nouvelle collaboration entre joueurs, c'est pas une collaboration avec une autre licence, c'est une collaboration entre joueurs. Ça ressemble à un raid, parce qu'en gros on a tous les mêmes objectifs, l'objectif est immense, on pourra pas le faire tout seul. Et donc voilà, tous les joueurs vont devoir contribuer pour récupérer les boules de cristal noir. Pour l'instant on sait pas qu'est-ce qu'on aura comme vœu, donc je vais vous traduire ce qui est indiqué. Donc il faudra recruter 444 000 fois Guigui. Et on va récupérer 15 places pour la taille de notre box. Bon, vous avez bien compris le principe de la collaboration entre joueurs. Donc c'est tout le monde, c'est tous les joueurs sur la version japonaise. Il faut qu'on recrute 4 millions ce petit bonhomme là. Ensuite, deuxième boule de cristal, mettre Guigui à 100% 40 000 fois. Et on va récupérer des orbes de potentiel, 33 grosses, 300... moyenne et 555 petites. La troisième boule de cristal, elle est où? Elle est ici. Utiliser un objet d'entraînement, enfin non, entraîner quelqu'un 4 444 000 fois, et on va récupérer des carapaces de tortue, des épées, des poids, enfin bref, des objets d'entraînement. La quatrième boule de cristal, il faudra compléter 4 444 000 fois les missions d'anniversaire. Bon voilà, de toute façon en jouant, en farmant Guigui, on va débloquer beaucoup de missions des 4 ans. Et on va récupérer 2 vieux Kai, 6 médailles argent, puis 50... Enfin non, c'est ça, 6 médailles d'or, 20 médailles d'argent, 50 médailles bronze et des médailles blanches. Je savais pas que c'était blanc. Enfin bref, donc des objets pour éveiller. La cinquième boule de cristal, il faudra compléter 444 000 niveaux. On va récupérer 7 vieux Kai assoupis. La sixième boule de cristal, il faudra battre 44 444 000 ennemis. On va récupérer des statuettes de Satan, de l'oseille donc. Et septième boule de cristal, il faudra claquer 444 444 ACT. Et on va récupérer des Daikai de chaque type. 2 Daikai de chaque type. Donc voilà. La période est assez longue. Hein. On a, de mémoire, c'est jusqu'au 18 février. Ça va, on a de la marge, les amis. C'est pas pour tout de suite. Donc bref, voilà, on récupère le boule de cristal. Après, encore une fois, je sais pas à quoi... Enfin, qu'est-ce qu'on aura comme vœu. Pour l'instant, on le saura quand on aura récupéré les boules de cristal. Donc, je compte sur vous, les amis. Il faudra juste jouer, farmer, voilà. Alors... Ça, c'est extrêmement intéressant. J'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo. En fait, il y a un truc qui tilte. C'est la présence du Goku Neo LR sur la bannière. En gros, alors, pour les personnes qui auraient raté mes dernières vidéos news, désormais, à chaque fois qu'on claque 5 DS, on va récupérer une pièce. Il y a plusieurs raretés de pièces. Comme tu peux le voir, il y a des rouges, il y a des bleus, et il y a des jaunes. Pour l'instant, on ne sait pas quels sera les objets qu'on va pouvoir récupérer, quelles sont les unités qu'on va pouvoir récupérer. Mais l'idée c'est que à chaque fois que tu vas claquer des DS sur un portail, alors pas sur tous les portails, enfin ça va prendre avec des pincettes, mais apparemment ça concernera pas tous les portails. Bon, on verra de toute façon, mais en tout cas il se peut que ça concerne pas tous les portails. Et en fait à chaque fois que tu vas faire une single ou des multi, donc une single, une pièce, tu vas pouvoir échanger ces pièces contre des SSR chez Baba. Et comme tu peux le voir, il y a un Neo LR sur le portail. Alors évidemment, s'il y a un Neo LR qu'on peut récupérer avec des pièces,
faut s'attendre à avoir beaucoup de pièces. Hein. C'est pas qu'une pièce que tu vas pouvoir récupérer un EOLR. Mais en tout cas, on va dans le sens de ce que proposent les autres jeux gacha, c'est-à-dire que à force de faire des multis, bah, on va, si on ne drop pas l'unité qu'on veut, on a une solution bis pour récupérer la carte qu'on veut. Et donc, c'est une très très bonne chose. Hein. Je trouve ça énorme. Au bout de 4 ans de jeu, pouvoir enfin récupérer ce qu'on veut comme l'eau de consolation chez Baba, je trouve que c'est une énorme avancée. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas parce qu'il y a le Goku Neo LR sur le portail qu'on pourra récupérer des Neo LR avec les pièces. Mais si ils mettent ce Goku, c'est que, évidemment, c'est pas anodin. Et puis, il y a 3 raretés de pièces, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a les bleus, les jaunes et les rouges. Il se peut, enfin, j'ai peut-être des conneries, mais enfin, c'est une projection, mais peut-être que sur les portails d'Okanfest, on récupérera des pièces rouges, peut-être les plus rares. Pour les portails taux de drop doublé, ce sera que des pièces bleues. Pour le portail, pour des portails, genre, les portails renforcement d'équipe, genre, pour 30 DS, vous avez des blanquettes, des unités Saiyan pures, des bouts, etc. Et à ce moment-là, peut-être on récupérera des pièces jaunes. Alors, j'ai dit au hasard pour les pièces, hein, ça se trouve, la pièce la plus rare, c'est la jaune. Et du coup, avec ces pièces-là, en fonction de leur rareté, on aura un pool différent. Mais en tout cas, c'est une très très bonne chose, les amis. Fini les 15 multis sans dropper ce qu'on veut. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura assez de pièces pour récupérer la carte qu'on veut, qu'on désire, qu'on convoite. Bon, encore une fois, pour l'instant, on ne connaît pas encore les détails, parce qu'en fait, on n'a pas de portail ADS. Il faut attendre demain. Et à partir de demain, on saura à quoi serviront ces foutues ces foutues pièces, les amis. La collaboration. L'event Gigi a été mis en place. Non, ça c'est la collaboration. L'event Gigi a été mis en place. Il y a aussi la mission quotidienne à faire. Il faut juste faire ce niveau une fois par jour. En faisant ce niveau, tu vas récupérer la pièce. On va voir ce que ça donne, les pièces. Gigi est dispo, donc on va pouvoir le farmer. Il y a un niveau pour farmer la pan et l'air. On peut le faire qu'une seule fois. Et il me semble qu'on débloque des missions en faisant à chaque fois un niveau. On peut le faire qu'une fois par jour. Hein. Du coup, on récupère une médaille. Il faudra 15 médailles pour la passer LR, la pan abeille. 11e Battlefield. Alors là, très important, les amis. Très, très important. Déjà, le pool. En fait, avant, il fallait réunir 100 unités. Maintenant, on peut monter jusqu'à 112 unités UR. C'est marqué là. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Écoutez bien. À skip. Il y aura prochainement un nouveau LR. À skip. Donc, alors, parmi les prédictions, si on remarque les précédents LR disponibles sur avec les points Battlefield, il y a Ginyu LR, enfin Goku Ginyu LR, il y a Ginyu LR, Endurance, Metal Cooler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que des LR en équipe. Hein. Il se pourrait que le prochain LR soit également un LR d'équipe. Alors, à votre avis, ce sera qui? N'hésitez pas à poster dans l'espace de commentaires. Alors, vu qu'on est dans les 4 ans avec tout le bins autour de GT, peut-être Shenron et ses dragons en LR. Le temps attendu Shenron LR. Bon, après, ça serait bien qu'on récupère autre chose qu'un LR extrême. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi pas la team de Jiren. Bon, évidemment, ce serait Jiren LR, mais bon, ça serait peut-être un peu trop sexy. Mais moi, je pense à... Enfin, c'est vrai que je... Naturellement, je dirais Shenron et ses sbires. Shenron avec les dragons. Bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Donc voilà, prochain LR, pas tout de suite. Hein. Je pense que ce sera peut-être pour la prochaine édition. Donc je vous invite à commencer à packer, les amis. Hein. Commencez à packer vos points. Le boss rush est disponible. 35 DS à récupérer, toi-même, tu sais. La DS rouge, la DS violette. La DS rouge, hein, tout le monde a récupéré. Aujourd'hui, en fait, en te connectant, tu récupères 44 DS. Et la DS rouge. Donc les personnes qui nous ont envoyé, c'est quand le meilleur moment pour commencer la version japonaise? C'est maintenant. Enfin, ou demain. Non, demain, demain. Demain. Parce que demain, il y a le portail. Il y a les deux portails, le double Dokkenfest, et demain. Demain, quand tu te connectes, tu auras la DS rouge, 44 DS et plus. Donc, tu as de quoi faire voilà, quelques invocations. Donc, voilà, c'est parti pour les 4 ans. On va juste finir rapidement. Enfin, on va voir ce qu'on peut récupérer chez Baba.
Allons faire un petit tour chez Baba les amis. Parce que oui, il y a de la nouveauté, parce que voilà, on a les pièces. Avec les pièces, voilà ce qu'on peut récupérer avec les petites pièces. Voilà, les pièces... non, c'est pas ces pièces-là. Voilà, les pièces des 4 ans. Voilà, on a des Daika à récupérer. On a ces unités-là qui ont pas changé. Hein, toujours le Goku enfant. L'autre Goku enfant. Malheureusement, ils n'ont pas d'éveil. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ça serait bien de leur proposer un jour un éveil. Ce Goku peut soigner, je crois. Il y a un Goku bleu, ouais, gratuit. Et il y a aussi les précédents SSR des anniversaires. Donc le premier anniversaire, deuxième anniversaire, troisième anniversaire. Après qu'il y ait l'intérêt, bah ça te permet de monter un SSJ3 gratuitement. Enfin, monter à l'aspect d'un SSJ3. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. Après, t'as des médailles, des events. Bon, ça, clairement, c'est moins intéressant. Et des orbes, ça, par contre, les amis, ça me parle. Ça me parle énormément. Donc, il y a beaucoup d'orbes à récupérer. Donc là, à la limite, pour les personnes qui s'intéressent, enfin, qui veulent pas les SSR en question, bah, utilisez les pièces pour récupérer les orbes, hein, en priorité. Donc, la déesse rouge, qui est le pool El Famoso Seigneur Gogeta. J'ai déjà 100%. Donc voilà, le pool a été update sur la version japonaise. C'est la première fois qu'on voit Gogeta sur le pool de la déesse rouge. C'était pas présent, enfin, il était pas présent jusqu'à présent. Est-ce que le pool a été maintenu comme avant? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le trio Kamehameha familial? Et oui, on a tous les ETUR, en fait, tous les ETUR, le Vegeta SS3, le Gohan Agilité. J'ai toujours pas éveillé en ZTUR ceux-là. Le trio Kamehameha familial, voilà. On a tout le pool de tous les unités qui passent ZTUR, alors, excepté Broly Carien. Mais voilà, sinon on a tout le pool. C'est assez incroyable. Alors, la question, je prends qui avec la DS rouge? Évidemment, Gogeta en priorité. Après, ça dépend de votre box. Mais Gogeta, c'est une valeur sûre parce que ça reste un leader arc-en-ciel une fois ZTUR. C'est un leader à 77% si je dis pas de bêtises. Après, moi personnellement, je dirais Vegeta. Vegeta, il servira Battlefield, Battle Road. Surtout les modes de jeu le plus difficile. Janemba, il est quand même très très tanky aussi. Beerus. Et je dirais celle, voilà. Pour moi, ce sont la priorité. Après, les autres... de toute manière, en priorité, les unités les unités qui possèdent un arbre de rang S. Après, vous prenez en fonction de ce qu'ils vont. Moi, personnellement, sur mon compte Jap, il me manque que des doublons de lui. Il manque deux doublons, donc je vais continuer à la récupérer avec la DS rouge. La DS magenta, c'est avec le pack, hein, un des packs. Donc le pool, comme j'ai dit, c'est les Neo-God avec les premiers leaders arc-en-ciel. Extrême et super, mais voilà, ça reste les Neo God, hein. Le pool, dommage, enfin, c'est dommage qu'il n'a pas augmenté jusqu'au LR, c'est un peu dommage. Le Battlefield, donc il y a la 11e édition, alors, pour l'instant, il n'y a rien qui a changé en termes d'objets qu'on peut récupérer, il n'y a pas de nouveau combat, donc bonne chance pour, on va quand même checker rapidement. 21 DS à récupérer encore. Ah là, mais il y a beaucoup de DS à récupérer sur la Jap là. C'est assez hallucinant. Là, mais 200 DS en haut là. C'est quasiment 200 DS free to play. C'est ce que j'ai paqué. Après, j'ai un peu claqué sur le portail des blanquettes, etc. Mais là, pour l'instant, c'est que mes DS free to play. Et j'ai pas encore fait le Battlefield. Voilà, donc il y a 21 DS à récupérer. Ça, c'est les cadeaux n'ont pas changé. Les boss, il n'y a pas de nouveaux boss. Il y a toujours, pour l'instant, 9 combats, si je dis pas de bêtises, 2. 5 et 9, voilà. Donc voilà, vérifiez bien le type. Alors, faites attention au C19, il absorbe les attaques de Ki. Donc il faudra ramener des unités qui font des attaques physiques. Ensuite, ici, le Gohan, le Great Saiyaman Gohan, il te one-shot au bout d'un tour. Donc il faudra un bloqueur de spé. Le troisième niveau, là, il y a Gohan, il y a Hit et Bardock. Il n'y a rien de particulier. Ils tapent juste très très fort, ils arrachent la gueule, mais... Et c'est tout, il faut juste pouvoir survivre le plus longtemps possible. Et le dernier boss, le Kid Buu, sera de type tech, donc il faudra partir à intelligence. Il est immunisé contre plein de trucs, il se soigne, donc il est très casse-couille, donc il faudra ramener vos meilleures unités. Et on enchaîne, les amis, avec le portail. El Famoso, portail des 4 ans, les amis. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Là, c'est le ticket du décompte. Hein, j'ai récupéré tous les tickets du décompte. Et tous les jours, les amis, il y a des tickets à récupérer avec les missions locales. Je vous invite à aller sur ma page communauté, sur ma chaîne YouTube en fait. Enfin, sur toutes les chaînes YouTube maintenant. Il y a un onglet communauté. Vous y allez dessus. Il y a un lien qui va vous amener sur Twitter, sur le compte Twitter de Jam, qui a fait la traduction des missions.
Bon, j'ai fait une vidéo où je vous ai envoyé vers la traduction en anglais. Pour les personnes qui lisent l'anglais, bah, allez voir ma précédente vidéo. Pour les personnes qui lisent pas l'anglais, allez voir mon compte, enfin allez voir ma chaîne YouTube et sur l'onglet communauté, vous cliquez dessus, enfin il y a un lien, vous allez voir, vous cliquez dessus et vous allez accéder à la liste d'émissions. Alors le pool, alors déjà le détecteur est extrêmement intéressant. Moi personnellement, je trouve très très bien. En fait, il y a des nouvelles unités qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Satan qui est très très bon. Ce Vegeta, le Vegeta du film Metal Cooler, il est assez bon. Il est vraiment pas dégueu. Piccolo Carnage, un Carnage qui peut servir pour le tournoi. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas utilisé pendant le tournoi. J'aurais dû peut-être. Il est pas dégueu. Hein. Satan, très 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 bon. C'est l'unité qui va vous aider pour faire la saga debout Battle Road. Il est vraiment très très bon. C'est un tank. Un très très bon tank. Plus les PV sont bas, plus sa réduction est haute. Ça va jusqu'à 90% de réduction de dégâts. C'est assez incroyable. Après, il y a des liens un peu flingués, mais voilà, il est tout seul, il s'auto-suffit, hein, il est là pour tanker. C16, très très bonne unité de la collaboration avec Fighters. Bon, le Kaioken de l'au-delà, on s'en bat les couilles. Ça a été. C'est des trucs qu'ils ont proposé l'année dernière, je crois. Touche pas main Bulma avec le virus. La Kaioshin de l'Ouest. Bon, toujours pas d'éveil. Bon, elle peut servir éventuellement. Le PQ. Alors, sur la version japonaise, il y a les deux types d'intelligence. Hein. Ils ont changé deux trois petits trucs. Ribrian, alors quand même dispo, je l'ai pas à 100%, je dirais pas non. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, il y a les C17, hein, alors j'en ai marre. Et un nouveau Trunks GT SR, donc il servira pour monter l'aspect des Trunks GT, des Trunks Super Saiyajin. Alors, c'était quoi son attaque SP? Ça doit être une vieille attaque SP rincée. Ouais, non, c'est exactement la même. Bon, en même temps, il est là pour être sacrifié, hein. Donc on va tous le dropper au moins 100 fois. Mais ce n'est pas tout les amis. Ce n'est pas tout. Vous croyez vraiment qu'il n'y a que ça? Vous croyez vraiment qu'il n'y a que ça les amis? Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre. Regardez-moi ça les amis. Donc, en hors détecteur, ça va jusqu'à Trunks My LR. En gros, tous les LR sortis hors d'Okanfest, tous les LR sortis hors d'Okanfest sont sur le portail. C'est du jamais vu les amis. Du jamais vu. Goku Freezer, Trunks Myler. Le Trunks Myler il est sorti en décembre. Il y a un mois. Il y a aussi Paparagus, Ikari, Vegeta God, Goku Tech, le Goku Uzumaki comme on l'appelle. C21, le Bardock, le Beerus, tous les NoéLR sont là les amis. Même les nouvelles blanquettes, la bras, elle est là, la nouvelle bras là, qui est très très intéressante. La chichi qui vient d'avoir son éveil. Il y a aussi les unités fusion, et je crois que c'est la première fois qu'on peut récupérer les unités fusion sur le portail des anniversaires. On pouvait récupérer autrement, mais là c'est la première fois qu'on peut récupérer sur le portail de l'anniversaire. Wirus, très très bon, très 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 bon. Le gars sûr, le changeur de ki, le meilleur changeur de ki du game. Donc voilà, le pool est incroyable les amis, le pool est incroyable. Bonne chance pour vos pools, moi je vais packer un peu avant d'invoquer. Je vais essayer d'avoir de quoi faire 10 multi, tiens, 10 multi. Et à ce moment je ferai la vidéo, mais là les amis, bonne chance hein, clairement. Ah, c'est s'il y a moyen de dropper des LR, bah dites-moi qui a déjà invoqué, qui a déjà droppé son premier Neo LR les amis. J'avoue que ah, le Goku Freezer qui est là, le Trunks Mai qui est là, oh là là, ça donne envie. Même le Cell est là, putain, ils sont tous là. C'est ouf les amis. Ah là, si je ressors pas qu'un LR les amis, c'est que franchement les 4 ans, j'aurais un peu dans, tu vois, j'aurais un peu là de travers, tu vois. Non mais c'est quand même incroyable. Enfin franchement, j'étais surpris quand j'ai vu la taille du pool. Et même le détecteur est pas dégueu hein. Franchement, Satank C16, les deux unités du film Metal Cooler, Vegeta et Piccolo sont vraiment pas dégueu également. Donc voilà les amis, les 4 ans c'est maintenant, c'est le feu. Demain, rendez-vous 16h, le double d'Okanfest, Vegeta, Goku, SSJ4. Activez les notifications comme jamais. Parce que demain, ce serait dommage de rater le stream des 4 ans avec le double d'Okanfest. J'essaie de vous donner un compte demain, mon dernier compte d'ailleurs, c'est mon dernier compte qui traîne. Et donc voilà, rendez-vous demain, enfin rendez-vous ce soir déjà pour le bistrot d'Okan et rendez-vous demain pour le live craquage les amis. Passez une bonne journée, à tout à l'heure pour d'autres VOD. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu de soutien, l'abonnement sur YouTube, l'activation
des notifications. Et puis, si vous pouvez soutenir la chaîne en regardant une petite page YouTube, le lien se trouve dans la description. Ça va financer le prochain craquage. Je compte sur vous. Je compte sur vous comme jamais. Si vous pouvez regarder une petite pub sur YouTube. Passez une bonne journée. À tout à l'heure. Ciao.